Salut! Alors, je vais faire quelques résolutions. J'ai pas trop le temps de cuber en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire de vidéos, de m'entraîner, etc. Parce que je passe le concours là dans quelques jours, le concours pour être prof, que j'ai raté l'année dernière. Mais voilà, j'essaie quand même de temps en temps de cuber un tout petit peu. Alors là, c'est particulier, la première résolution de la vidéo, je tombe sur un mélange où, sous une des deux orientations possibles, les 12 arêtes sont désorientées. Donc je vais pas prendre cette orientation-là, clairement. Mais du coup, si c'est nul aussi en rouge-orange, bah j'aurai plus rien. Bon, ça va à peu près. Non, ça va, c'est même pas mal. Quoique. Ok. Ok. Et eh ben c'était super propre. J'ai eu vraiment peur en voyant l'orientation vert-bleu qui était absolument atroce. Mais en fin de compte, bah du coup avec l'autre orientation, c'était plutôt sympa. Ok, j'ai tenté en fait de symétriser un algo de ZBLL que je connais. Honnêtement, je pense que une fois que j'aurai appris les algos pour ce set de COLL, c'est peut-être même l'algo que j'utiliserai. Ou si je trouve pas mieux, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, ça donne 13,12, plutôt sympa. Alors ici, on a un mélange juste. Oula, ouf, mais il est incroyable! Ok, donc il faut pas se rater. Boum! Très propre, très très propre. Allez, là c'était dingue là. On donne ça à Simon Kalofer. L'allemand recordman du monde en ZZOH. À mon avis, à mon avis, ça fait du 8. Facile. Alors. Bon, bah, c'est bien. 11, 13, 9. Je pouvais pas rêver mieux. Alors, ici. Je suis clairement moins inspiré. Ok. Bon. J'étais vraiment pas inspiré, même pendant la résolution, j'ai pas été très inspiré. Et puis PLLN à la fin, donc voilà. Ah, j'ai raté. Oula. Bon bah là, celle-là on va l'oublier très vite. Alors, ça a l'air super. Ouais, ça a l'air super. Ok. Ok. Propre.
ferait 55 sur une moyenne de 6 résolutions pour le moment. Sympa. Très sympa. Alors ici. Alors. Pas très inspiré sur ce mélange. Ok, si, il y a moyen de faire quelque chose. Alors là, non, finalement, j'ai vraiment pas été inspiré du début à la fin. Des grosses pauses de partout, enfin, c'était vraiment pas beau. Alors. Ok, une résolution assez classique, assez banale. Ok, alors ça peut être bien. Ah, quoique. La ZBLL qui sauve la résolution, c'était correct sans plus par rapport à mon niveau actuel. Et la belle ZBLL à la fin qui permet de faire un 12, même si c'est sub 13 de très très peu. Alors là j'ai. Ok, ouais, si je sais quoi faire, mais j'ai peur que ça arrête. Wow. J'ai galéré. J'ai galéré, mais bon, j'ai vu le potentiel de la résolution. Ça, avec un peu plus d'entraînement, un peu plus de vécu avec la méthode, je pense que sur ce genre de choses, ça peut être beaucoup mieux que ça. Alors ici, ça a l'air bien, mais il faut juste trouver exactement comment faire ça. Ok, ouais, c'est juste. Il est juste incroyable aussi ce mélange. Donc faut pas se rater. Boum. 10-08. Là, pour le moment, ce qui est sympa, c'est que j'arrive à profiter des très bons mélanges. Le 10.08, le 9.13 un peu plus tôt. Quand il y a vraiment un mélange qui est dingue en ZZ, j'arrive à partir dedans et à faire ce qu'il faut. Et sur ces très bons mélanges-là, si je les faisais en Friedrich, bah je verrais peut-être pas que c'est des bons mélanges pour ZZ. Et je partirais peut-être dans un autre truc complètement différent. Et il faut savoir, mais ça vous le savez, hein, que deux mouvements différents au début de la résolution changent littéralement tout. Donc je pourrais passer d'une résolution complètement abusé à une résolution to totalement normale en Friedrich. Donc je suis assez content de réussir à faire ça, pour le moment en tout cas. Après, je vais progresser plus globalement dans la méthode. Mais pour le moment, c'est déjà sympa d'en être là. Oula. Aïe.
un gros raté, un très gros raté, c'est pas grave, ça arrive. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais ce bloc là, la raide qui est déjà dans le slot, on peut pas rêver mieux. Alors maintenant, est-ce que c'est bien pour ZZ? Oui, c'est bien pour ZZ aussi. Donc c'est dingue. Donc il faut pas se rater encore une fois. Comment je vais faire ça moi? Ok. Bon, la suite n'était pas super. En tout cas, ma suite n'était pas super. Parce qu'encore une fois, on donne ça à Zimon. Je pense qu'il nous sort une résolution de malade. Parce qu'il aurait pu prévoir beaucoup plus loin, du coup. Et donc, faire des mouvements qui sont les plus précis possibles. Ici, je suis pas ultra inspiré. Non, je suis pas inspiré là. Ok. Heureusement que la fin a été facile. Parce que le début, j'ai cru voir la pièce que je cherchais, et après avoir commencé à faire ce que je voulais faire, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne pièce. Remettez un petit peu en arrière, vous allez le voir, au moment où j'ai fait un L, je me suis rendu compte que la pièce qui était arrivée là n'était pas celle que j'espérais. Donc ça arrive. Enfin, il faut faire en sorte que ça n'arrive pas, mais ça arrive. Alors ici... Ok, assez propre. Globalement assez propre. Ok, le mélange est assez dingue. Le mélange est complètement dingue. Ok, ok, faut pas se rater. Comment je vais faire ça? Ok. Je vais essayer d'aller doucement pour vraiment pas me rater et assurer. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette résolution? Waouh! J'ai fait 11,62, ce qui n'est pas un temps de malade, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que je ferai une reconstruction sur ma chaîne. Ouais, je pense que je ferai une reconstruction, là. Ça me semble essentiel. J'en tremble encore. Là, honnêtement, ça a donné 11, ça aurait pu donner 7. Très honnêtement, c'était juste incroyable comme truc.